dire ce qu'elle avait à dire. Et il y a un scrutin public. Ah, Madame Lindemann, vous avez la parole. Je ne suis pas du tout, enfin, cher collègue, monsieur le ministre, je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée que cette commission serait une lourdeur supplémentaire. D'abord, je crois que le Haut Conseil pour le logement des plus démunis rassemble des gens d'horizons extrêmement variés qui se sont mis tous d'accord sur cette proposition. Par expérience, je peux vous dire que des locaux vides qui appartiennent à la puissance publique, un peu moins souvent aux collectivités locales, mais à la puissance publique en général, qui sont censés être intercalaires, sont intercalaires longtemps. J'ai vu des choses que vous n'avez pensé sous Jacques Chirac, utiliser ces locaux. L'administration a dit non, on va l'utiliser l'an prochain. Je redeviens ministre quelques années plus tard et rebelote, les logements sont toujours vides. Donc, il me semble qu'une commission a l'avantage de faire un travail dans la durée pour voir, un, ce qui est intercalaire, deux, ce qui est inutilisé par la puissance publique et qui mérite d'être mobilisé quand on voit tant de gens qui sont dehors. Ça n'enlève en rien de l'agilité, ça donne un outil supplémentaire pour être certain que les locaux publics ne sont pas vides alors qu'ils pourraient être utiles. Non, mais elle redemande la parole. Oui, une seconde.